Nous sommes théâtre pas sage, comme les enfants pas sages que nous restons depuis 25 ans de professionnalisme. Au niveau public, on s'adresse un peu à tout le monde. Public familial, on va dire, principalement, mais après on joue pour beaucoup de monde, pour les crèches, pour les maisons de retraite. Donc on va d'un côté à l'autre, d'un âge à un autre. Et sinon, depuis 25 ans, on a évolué dans notre sud-ouest, évidemment, et puis ailleurs en France dans des festivals, et puis aussi à l'étranger. Voilà, on promène nos spectacles, notre exposition. Voilà, ici on a quelques marionnettes d'ombre indonésiennes. C'est un peu le but de la compagnie, voilà, de jouer partout où c'est possible et de présenter les marionnettes et de les faire connaître, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de lacunes à ce sujet. C'est un spectacle d'ombre colorée, ouais. Voilà, qui s'adresse à tout le monde en vérité. Ouais. En vérité, absolument à tout le monde. De 0 à 99 ans. Mais là, on va le jouer pour des tout petits. Ouais. C'est destiné plus à les 0-3 ans, comme on dit, ou 0-4 ans, voilà. On n'a pas beaucoup de 0 ans qui viennent. On ne sait pas trop pourquoi. Il faisait un câlin à sa maman, tout en dormant. Comme il est mignon. Petit hibou, petit hibou, tu es tombé dans la forêt. Petit hibou, petit hibou, comment vas-tu te débrouiller? Il continue de tomber, mais ne se fera pas mal en arrivant sur le tapis de mousse de la forêt. Ne t'inquiète pas, on va la retrouver. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je n'en fais pas. Les petites misères seront pas sagères. Tout ça s'arrangera. V'là autre chose, hein. Tu vas la trouver, et moi, je vais chercher du bon miel. Miam, 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 miam.